Lamia Murphy, oui. Donc, je m'occupe de la galerie de la Banque Populaire. C'est une galerie qui a été maintenant inaugurée depuis environ 2 ans. Son positionnement, c'était d'avoir vraiment une vocation régionale, c'est-à-dire de faire mettre en lumière les talents de la région, les artistes de la région. Et au fil des expositions que nous avons eu à tenir jusqu'à présent, nous avons reçu des sculpteurs, des artistes peintres, du street art, un certain nombre d'artistes qui se sont succédés. Et il nous a paru évident, à un moment donné, de donner la parole à un savoir-faire, puisque un talent, c'est aussi un savoir-faire ancestral. Comme vous le savez, l'artisanat est d'une richesse extraordinaire au niveau de notre pays. Et en l'occurrence, au niveau de notre région de Rabat Salé, Knetraz, Mour, nous avions la région de Khmisset, qui avait qui a du potentiel et qui abritait justement un certain nombre de coopératives dans le domaine du tapis, dans le domaine du bois. Et l'idée est venue donc de pouvoir les mettre en relation avec un designer, puisque quand on est allé visiter, on voyait qu'il faisait quand même un petit peu, bon, dans des conditions des fois même un peu difficiles. Il faisait des articles un petit peu comme toutes les coopératives, donc il n'y avait pas beaucoup d'originalité. En même temps, le prix était vraiment dérisoire. Donc, le but, c'était vraiment de les mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait les faire évoluer, leur faire prendre conscience de tout leur potentiel pour réaliser des choses un peu originales, créatives, où ils pourraient avoir une marge un petit peu plus intéressante, toucher un autre public. Donc l'idée est née de cette réflexion-là nous avons Jamil Benani, qui est un grand designer ébéniste bien connu sur la place, qui a pris ce challenge avec nous à la banque et qui a fait en sorte donc d'encadrer, de coacher, d'accompagner ces 3 coopératives pour leur faire produire justement ce que vous voyez aujourd'hui qui est exposé. Et qui sont des articles un petit peu du quotidien. Donc il y a des bibliothèques, il y a des tables, il y a des luminaires, des tapis bien sûr, mais le tapis de Khmisset revisité, qui a causé pas mal de soucis au départ dans l'exécution, puisqu'ils avaient l'habitude de faire des choses très classiques. Mais voilà, c'était le but de leur faire prendre conscience de tout le potentiel qu'ils pouvaient explorer et de pouvoir toucher un autre public et puis pouvoir faire évoluer leur travail. Ben, le choix, il s'est porté sur, parce qu'à Khmisset, il y avait le travail du bois, beaucoup le travail et puis c'est connu par le tapis, donc le choix, c'était le bois et le tapis. Ensuite, pourquoi ces 3-là? Parce que bon, ce sont des gens qui sont d'abord connus, qui ont eu de l'intérêt pour le projet, l'idée a cheminé. Hein, donc on a travaillé avec des gens qui étaient disposés à travailler avec nous, à accompagner ce projet, à le faire dans les temps, de la façon donc qui a été proposée. Et voilà, donc j'espère que ça plaira au public et qu'ils auront beaucoup de potentiel derrière et de commandes derrière. Merci. Je vous en prie. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.